Salut à vous et bienvenue pour une course commentée de la TZS, Team Zen Spirit. C'est une course qu'on a faite il y a 2 jours, il me semble. C'est un épisode test de course commentée. On va voir un peu comment ça va se passer. Je connais déjà le résultat de la course, mais je veux quand même vous présenter les pilotes. Donc on a CLC Racing Dina, TZS WAM, donc moi-même. Nous avons également TZS Jamy. Nous avons Marco et TZS Nico. Et bien sûr, Olive, roi du bocal. C'est parti, bonne course à tous. On commence maintenant. Alors, je vais déjà commencer par essayer de mettre tout affiché. Voilà, c'est très bien. Et nous sommes, on va commencer par une petite visibilité sur Jamy, qui est un petit peu en retrait en ce début de course, s'accroche un petit peu devant, Nico qui tape le vibreur, Jamy qui essaye de faire l'extérieur. Est-ce que ça va passer? Ça va passer. Ouais, il est quand même bien devant. Ah, attention, oulala, ça a touché. Ça a touché. Oh là là, ça sort. Oh là là, Nico aussi est parti en tête à queue. Jamy se retrouve tout seul avec quelques secondes de retard. Par contre, j'ai pas les temps intermédiaires entre chaque pilote. Et ça, c'est bien dommage. Alors, on va s'attarder un petit peu sur la troisième position. Avec TZS WAM, donc moi-même. Juste derrière Olive, roi du bocal, et en première position CLC Racing Dina. On va essayer de changer un petit peu les vues. Alors, je suis en troisième position et j'essaye tant bien que mal de coller aux deux premières positions. Jamy qui s'est un petit peu libéré du trafic. Fait un petit peu course seule. Il a distancé Nico et Marco derrière. Nico qui a, oui, bien 4-5 secondes de retard, avec Marco qui est encore plus loin. Il est pas si loin que ça, il me semble, ouais. Il est peut-être à une seconde derrière Nico. Il revient bien. Est-ce qu'il va le dépasser? Oui, il dépasse. Je pense qu'il a eu un petit problème, Nico. Ah, il est sorti. Il est sorti, Marco. Ouh là là, ça dérape. Ça dérape chez Nico. Alors, on remonte un petit peu au classement. Donc, Jamy en quatrième position qui fait course seule. S'il n'avait pas eu ce petit problème au départ, je pense que Jamy serait clairement dans le trio de tête, sans problème. J'ai à peu près 4 secondes d'avance sur Jamy, et j'essaye toujours de coller la deuxième position. Et on va vivre ce dernier tour de ce circuit que je n'ai pas nommé en début d'émission. Et c'est bien sûr le circuit de Laguna Seca aux États-Unis. Et là, sur la fin, j'essaie de retarder un maximum le freinage pour essayer de l'accrocher. Par contre, le premier a bien 2-3 secondes d'avance maintenant. Hein. CLC Racing Dina a pris les devants avec une certaine marge. La seule position qui est jouable, c'est la 2. On accroche. On essaye toujours d'accrocher. Le roi du bocal est en sueur. Non, je plaisante. Hein. Je plaisante. Alors là, j'ai eu de la chance parce que j'étais vraiment collé dans l'aspiration de la voiture qui me devance. Mais sinon, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Et là, ça va se jouer sur la fin. On est sur l'avant-dernier virage pour arriver sur la dernière épingle de ce circuit.
Et là, je pense qu'il a dû glisser un petit peu sur les vibreurs. J'ai pu prendre l'intérieur. Et pour passer sur la ligne en deuxième position. Premier, CLC Racing Dina. Deuxième, WAM. Troisième, Olive Roy du Bocal. Nous avons Jamy qui termine en quatrième position. Marco en cinquième position qui n'a pas encore passé la ligne d'arrivée. Ah si, il a passé. Et Nico en sixième position. Voilà le résultat et le replay de cette course effectuée avec la team TZS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous peut-être pour un vrai épisode, puisque je considère cette vidéo comme un épisode pilote. Merci à vous. Plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture et à jamais dans le tramway.